このプロジェクトいつ始めました？1年前です。1年経ちました。絵をたくさん描きました。というこれのかも、らも絵を描き続けたいし、パパにも絵を描いてほしいです。これを描きました。これ黄色に見えるかもしれないけど、これは本当は黄金、金で、古代、昔の模様みたいだよ。だから、古代の鳥と人が合わさった超人。これからこの絵を元にしてパパがかっこいい絵を描いてくれます。J'ai vraiment trouvé le design très cool, à tel point que c'était assez difficile pour moi de voir ce que je pouvais rajouter pour l'améliorer. Sur mes croquis, on voit que j'ai détaillé différentes zones, j'ai rajouté des motifs sur les épaules. J'ai essayé de rendre le design plus en volume, en détaillant les différentes parties, les ailes, les jambes, la cuisse, les épaules, etc. Les sortes de sceptres aussi qui tient dans les mains. D'abord, j'ai bossé le design avant de décider de la pose que j'allais donner au personnage. Je ne savais pas trop quoi donner comme pose. Alors la pose, la facilité, quand on ne sait pas, vaut mieux toujours aller au plus simple. J'ai commencé par imaginer une pose de face, assez neutre, mais de manière asymétrique pour donner l'impression que le personnage est assez majestueux. Mais j'ai déjà fait ça dans une illustration précédente avec le mage aux cristaux là rouge avec des tentacules. Donc c'était un peu redondant. J'ai essayé de trouver une pose plus intéressante, une pose plus dynamique avec une occupation de la page un peu plus intéressante en termes de composition. Le personnage n'est pas centré au milieu de la feuille, mais il est un petit peu décalé sur la gauche, un petit peu en biais. Et on a une aile coupée. C'est-à-dire que il a quand même des ailes assez grandes quand elles sont déployées. Si on veut la voir entièrement dans la feuille, il aurait fallu le mettre assez petit. Ce qui est dommage. Donc là, on est plus proche de lui. Du coup, on coupe l'aile, mais c'est pas gênant, parce qu'on en a une en entier sur le côté. Donc je pense que la compo est plus intéressante là, donc je vais partir là-dessus. J'ai ancré le dessin, après j'attaque la couleur. Au niveau du décor, j'avais pas trop d'idées, je voulais pas faire quelque chose de trop compliqué parce que ça prend du temps et donc je me suis dit je vais faire un fond très simple. Et en général, j'ai plutôt des fonds blancs. Quand j'ai pas envie de faire un décor, je reste blanc, mais là, je me suis dit tiens, comme le personnage est doré, j'aimerais qu'il ait un côté lumineux et pour contraster, pour mettre ça en valeur, j'ai pensé qu'un fond sombre marcherait bien. Donc, j'ai masqué le personnage avec l'encre de masquage. Et après, j'ai passé sur toute la feuille une couleur très sombre avec un gros pinceau. Et ça, c'est la première fois que je faisais, donc je ne savais pas trop ce que ça allait donner, honnêtement.
On voit un peu les traces de pinceau. C'est assez dur en fait de faire, d'avoir une couleur très uniforme. Bon, j'ai tenté. Une fois que j'ai eu mon fond sombre, j'ai attaqué la couleur du personnage. En plein milieu là que j'étais pas bien en fait, je sentais qu'il manquait quelque chose, et ce fond très neutre, très très sombre, mais sans aucune profondeur, je dirais quoi. Je trouvais ça dommage, et je me suis dit j'aurais dû mettre des dégradés, rajouter d'autres couleurs à l'intérieur, ça aurait été vachement plus classe. Donc j'étais mal pendant tout le dessin, je me suis dit ça aurait pu être mieux, donc je continue. Ouais, j'étais pas très bien quoi. Je sentais que j'avais raté un truc, et à la toute fin, après avoir fini le dessin du personnage, j'ai décidé de tenter de transformer ce fond très neutre en galaxie. Donc j'ai tenté de donner un effet d'espace et de galaxie en rajoutant une sorte de, comme une voie lactée, comme ça en biais sur l'image, en effaçant l'aquarelle. C'est-à-dire qu'avec de l'eau, sur des couleurs qui sont très sombres, ça marche pas sur les couleurs claires, mais quand il y a beaucoup de couleurs et quand les couleurs sont sombres, si on revient frotter avec de l'eau et qu'on essuie avec un Kleenex, on arrive à retirer de la couleur et ça donne un effet un petit peu granuleux, un peu aléatoire. Donc ça, en fait, je trouvais que ça marchait pas mal pour donner l'effet de voie lactée. Donc j'ai effacé une zone petit à petit de la feuille en essayant de donner un aspect étoilé, et après avec la gouache je suis venu rajouter des petits points pour faire les étoiles. Mita. Oui. Dozo. Mite kudasai. Au final, je pense que j'ai quand même pas mal sauvé le dessin là, parce que l'effet est quand même vachement plus séduisant qu'une couleur unie sur toute l'image. J'espère que ça vous plaira. Voilà, donc tout ça pour vous dire que on essaie. Alors, il vaut mieux le maximum prévoir dans sa tête ce qu'on va faire, mais ça arrive de se planter. On attaque un peu vite, on n'avait pas pensé à tout. On est déçu du résultat, mais bon, on peut toujours essayer de rattraper. La création du dessin, c'est quelque chose de vivant, et on peut toujours, y a quand même moyen d'agir, même si on a commencé, on est parti dans une mauvaise direction. Il faut trouver des astuces pour essayer de rattraper le coup au fur et à mesure. Voilà donc comment ça s'est passé pour ce dessin. J'espère que ça vous aura intéressé, que le dessin vous plaira.
et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !